Neuvième plan blues, on est dans la tonalité de mi simple inspiré par le regretté Stevie Ray Vaughan. On commence par un petit bout de shuffle. J'avais expliqué le principe du shuffle dans une autre vidéo, je vous indique le lien là, là sûrement. Et les choses sérieuses commencent maintenant avec un plan sur deux cordes et on va grimper, un peu comme dans le plan 8. Que se passe-t-il? Donc là, j'ai la corde de mi à vide. Très intéressant, très utile parce qu'on est dans la tonalité de mi. Et je vais doubler le son mi par le mi qui, lui, se trouve sur la corde de si. Donc je vais avoir deux mi en même temps. Ok. L'autre chose, c'est au niveau de la main droite, très important, je fais que des coups de médiator vers le haut de façon à faire claquer la corde. Et je déroule la gamme de cette façon-là. Donc c'est très simple en fait. Je monte, je monte, je monte, je monte. Et l'idée c'est d'avoir une intensité croissante, un petit peu comme dans le plan numéro 8. Faut qu'au fur et à mesure qu'on avance, faut que ça monte, faut qu'on sente de l'énergie. Et ça veut dire que pour le guitariste, ça demande au fur et à mesure un petit peu plus d'effort, un petit peu plus de. Voilà, faut quand même garder le contrôle de ce qui se passe. C'est pas si simple que ça. Mais si vous y arrivez, vous allez voir, le jeu en vaut amplement la chandelle. Voilà pour ce plan numéro 9. Rien d'autre à dire, si ce n'est que je vous donne rendez-vous bientôt.